Salut la famille, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je ne devais pas vous faire cette vidéo parce que je voulais attendre encore quelques jours le temps de régler certains trucs. Mais j'ai craqué pour une bagnole. Mais à un moment donné, en la conduisant, y a quelque chose qui m'a énervé. Et je me suis dit, il faut que j'arrête tout de suite la voiture, que je fasse ma vidéo et que j'enlève ces saletés. Alors à la base, j'étais pas du tout parti pour acheter cette voiture, mais genre vraiment pas du tout, parce que je vous ai toujours dit que dans les nouvelles séries de BM, je préférais la M3, toujours, hein, que la M4, mais le sort fait que je me retrouve toujours avec des M4. Deuxième chose, c'est que je suis encore en W Garage, je vais vous expliquer pourquoi. Et le problème du W Garage, vous connaissez, même si ça fait 700 ans que j'ai des voitures, tu auras toujours des gens « Ouais, MDR, plaque W Garage, c'est pas à toi, MDR !» Et donc du coup, je me suis dit « Je vais attendre de faire ma carte grise, que je dois faire cette semaine, et ensuite je vous aurai fait une présentation de la voiture tranquille et je me serai évité ces petites réflexions. » Mais bon, maalish, l'envie d'enlever les stickers était trop pressante. Alors du coup, je vais vous faire un tour rapide de la voiture et ensuite je vais vous expliquer comment j'en suis arrivé là. Vous allez voir, ça va être beau. Alors là, on est sur l'arrière de la voiture. Donc c'est une M4 compétition. Elle est neuve. Elle a de mémoire 100 quelque chose kilomètres. Et Riyad venait de la recevoir. Du coup, en fait, là, je suis content de vous la montrer à cette heure-ci. Parce que avec la luminosité dehors, on dirait qu'elle a un grinardeau très foncé. Mais en fait, pas du tout. Quand je vais allumer le flash, vous allez voir, vous allez dire « Ah ouais, en fait, la couleur, elle est folle. » Ce qui m'a fait craquer sur cette voiture, c'est vraiment la configuration. Je continue quand même à dire que la M3, je la trouve plus belle que la M4. Moi, vous me connaissez, j'ai toujours été fan BM. Je suis amoureux des BM. C'est vraiment la raison qui m'a fait craquer sur cette bagnole. C'est que je me suis dit « Mais en fait, retour aux sources !» Et puis du coup, j'ai commencé à me poser des questions, à savoir… qu'est-ce qui me manquait comme bagnole? Parce que vous savez, j'ai la Challenger, j'ai le Jeep Trackhawk, j'ai la Mégane RS, j'ai la Skoda qui est conduite par ma petite sœur, j'ai l'Escalade, tu vois, c'est des caisses qui sont vraiment très bien, tu vois. Mais, putain, une BM, ça me manquait vraiment. Et donc, du coup, j'ai appelé Riyad, parce que je vous avais dit maintenant, c'est pas parce que j'ai un garage ou quoi que ce soit, que je passe par d'autres personnes, en fait. Excusez-moi, j'ai failli roter et vomir en même temps, c'était incroyable. Et donc du coup, j'ai quand même appelé Riyad parce que c'est lui qui me trouve toutes mes voitures. Et je lui dis, écoute frérot, moi j'ai envie de racheter une BM, mais je ne sais pas quoi prendre. Est-ce qu'on part sur la nouvelle M3 ou est-ce qu'on part sur une ancienne M3 F80? Qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Et c'est la question que je lui ai posée. Et Riyad, vous le connaissez, c'est quelqu'un qui va beaucoup m'écouter. Il va me conseiller, mais c'est pas le genre de mec, tu sais, qui va dire « Ouais, fais ça, fais ci, fais ça, tu devrais faire ça », tu vois. Genre, il va juste me dire « Écoute, Boba, fais comme tu veux. » Mais bon, moi, je pense M3, c'est bien, M4, c'est bien. Et après, il m'a dit « Écoute, viens déjà voir la M4 que j'ai au garage. » Parce que c'est vrai que je l'avais jamais vue, celle-là. Je l'avais vue en photo. J'avais même d'ailleurs commenté sur la photo. Ah oui, d'ailleurs, j'ai perdu ma plaque à l'avant. Bon, maliche, hein. De toute façon, je vais faire ma carte grise, je pense, demain, après-demain, j'aurai mes plaques et bon, j'en profiterai. Mais c'est vrai qu'en arrivant ici, je me suis dit, putain, c'est bizarre, les gens, ils regardent bizarrement la voiture, tu vois. Et je me suis dit, ouais, c'est peut-être parce que je suis beau. En fait, c'est parce que j'avais perdu la plaque. Donc du coup, je suis parti chez Riyad à son showroom, il était 22h, j'ai regardé la voiture, tu vois. Et à la base, j'étais vraiment parti pour prendre une M3. Il m'a dit, viens voir l'M4 au niveau de l'intérieur, etc. Parce que c'est vrai que ça fait quand même… assez longtemps que j'avais pas essayé d'M3, d'M4.
Et donc, je voulais voir si j'aimais bien. Après, si ça se trouve, je serais vraiment parti sur une M3CS F80 et tout, tu vois, qui reste quand même au niveau de la gueule mes préférés, tu vois. Et donc, je suis arrivé chez lui, tu vois, et je me suis assis dans la voiture. Et je sais pas, j'ai craqué, mec. Alors que je déteste l'M4, quoi. J'ai vraiment craqué pour la config. Je trouve que la configuration de la voiture, elle est incroyable. Et en plus, ce qui est ouf, c'est le mariage des couleurs. C'est-à-dire que l'espèce de petit gris fou avec le pack noir qui va très vite virer et se retrouver en carbone, les belles jantes comme ça, et surtout, c'est l'intérieur rouge que je vais vous montrer. Et là, vraiment, je me suis dit, ça y est, banco, quand j'ai vu qu'elle avait ces sièges-là et pas les sièges horribles qui matraquent le dos. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, ah ouais, incroyable. Elle a 178 km. Je tiens à dire que cette voiture le malus était déjà payé, etc. Moi, j'ai décidé maintenant entre guillemets, d'être franc avec vous sur le prix des voitures que je vais payer, tu vois. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de mes abonnés qui pensent que, parce que c'est à Cram, que je vais avoir des tarots de dingue, etc. Celle-là, elle m'est revenue à 124 000 euros. Mais 124 000 euros, on parle du malus payé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je vais avoir que la carte grise. Je crois que c'est 2-3 000 balles à payer, mais c'est tout, tu vois. Et au niveau de l'assurance, je m'en sors à 135 euros par mois là-dessus. Donc voilà, c'est pas extrême, c'est pas non plus très bas. Sur la Mégane RS, par exemple, je suis à 83 euros par mois. Mais voilà, je préfère quand même faire ce genre de vidéo pour pas avoir une totale transparence, mais parce que je sais que les gens vont malheureusement et penser à tort que c'est parce que je sais pas quoi qu'on a des tarots de dingue. Riyad, il a besoin de manger, la voiture, il l'a payé ce qu'il l'a payé. Moi, il va pas m'enlever 20 000 euros dessus, ça n'existe pas, ça c'est faux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est pour ça que je préférais quand même vous faire cette petite aparté. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Le rouge, il est vraiment pétant. Mais genre vraiment, vraiment, vraiment pétant. Ici, la petite bande de LED folle, malheureusement, qui n'existe pas en rouge, qui a plein de couleurs. Mais là, ce qui se rapprochait le plus de mon intérieur, c'était l'orange. Mais mon intérieur, là, vous le voyez à la caméra, rouge pétant, il est un peu moins vif que ça en vrai. Ça, vous savez à chaque fois comment ça se passe. Donc, elle est comme ça. Donc, la seule chose que je pourrais lui reprocher... donc évidemment hein, elle a le carbone sur le toit, donc ça tout le monde était au courant, tout va bien. Mais c'est qu'elle a ni le pack carbone intérieur ni le pack carbone extérieur. C'est à dire que si j'ai envie de faire un upgrade personnel, et moi vous me connaissez, grâce à Dieu j'ai les moyens, donc tout ce que je me fournis, je me fournis directement chez BMW au niveau des pièces. Bah, je sais le prix que ça coûte, et vous aussi à force de regarder mes vidéos vous savez que ça coûte très cher. Donc là le pack carbone intérieur et extérieur, si je le fais, je sais pas combien ça coûterait, mais ça va être évidemment un immense billet qui va pas trop faire plaisir, mais c'est une belle voiture. Alors les sièges, c'est vraiment ce qui m'a fait craquer sur cette voiture, parce que les autres sièges, pour les avoir essayés deux fois, une fois sur une M3, une fois sur une M4, ils sont hyper inconfortables, et surtout au niveau du cul. Moi j'ai un gros cul, j'ai un cul frérot, il est aussi gros qu'un Cayenne Turbo phase 1, donc j'ai quand même un gros cul, tu vois ce que je veux dire. Donc il me fallait quelque chose où je sois bien confortable, etc. Là, vous vous apercevez de la petite peinturasse qui est folle. Mais j'allumerai le flash hein, tout à l'heure avant de faire l'essai pour vous montrer un peu la vraie couleur, en fait. Je suis fan. En fait, si tu veux, cette caisse, et je l'avais déjà dit un nombre de fois incalculable, pour qu'elle soit belle, pour que je l'aime, il faut qu'elle soit dans une configuration hors norme, ce qui est le cas. Là, elle aurait été toute noire comme celle, par exemple, de GMK. D'ailleurs, c'est presque... entre guillemets, grâce à lui qui a enfoncé le clou en me disant « Non mais frangin !» Parce qu'en fait, on a un truc, GMK et moi, c'est qu'on s'appelle quand on veut acheter des voitures parce qu'on a pratiquement les mêmes goûts, tu vois. On n'a pas les mêmes goûts sur les femmes, mais on a les mêmes goûts sur les voitures. Et donc du coup, je l'ai appelé, je lui ai dit « Frérot, regarde, là je suis dans une M4, donc je l'ai appelé en FaceTime du garage, je lui ai dit « Il y a ça, ça, ci, ça, ça. » Il m'a dit « Franchement, mon ref, prends-la parce que le problème d'une M3, c'est que tu vas la commander. L'Allemagne, elle va arriver, elle arrivera, tu auras déjà envie de changer. » Là, elle est devant tes yeux, fais-lui le virement et prends-la. Et donc, c'est ce que j'ai fait. C'est vraiment lui qui m'a... Au moins, on a la même caisse, du coup. Donc,
Donc celle, la sienne est toute noire avec le pack carbone, la ligne, les trucs, les machins. Moi, la mienne, là, pour l'instant, elle était toute neuve et toute d'origine. Mais c'est vrai que le pack carbone, c'est un putain de must, en fait. Ça, c'est, je trouve ça incroyable. Donc du coup, je vous remontre un peu, mais je vous remontrerai tout ça quand on fera l'essai. Évidemment, il y a quand même pas mal de place. Alors, ça ne sera pas l'utilité première de cette caisse, mais il y a quand même pas mal de place à l'arrière. Et je trouve que là, le taf a été fait au niveau de l'intérieur, tu vois. Mais jusqu'au petit détail ici hein, qu'on connaît, qui fait vraiment plaisir. Je vais vous montrer donc le moteur maintenant. Putain, je sens la plaque quoi. Donc le moteur comme ça. Alors il y a un rodage, à faire, ça c'est évident. Et il y a une révision dans à peu près 1900 km. Donc une vidange hein, que BM préconise. Et il faut la faire, sinon la voiture n'a plus de garantie et ça dégage. Donc du coup, c'est évident que je vais la faire. Mais sans la plaque à l'avant, je la trouve oufissime. Elle est d'une agressivité parce que les deux poumons, là, les calandres folles, avec la plaque au milieu, ça fait bizarre. Alors que là, sans la plaque, ça lui fait l'énorme avant comme ça. Et là, ça passe. Tu vois ce que je veux dire? Et je vous jure, la famille, je vous jure que j'ai pas enlevé la plaque. Elle n'est pas dans mon coffre ni rien du tout. Pour faire Zarma, l'avant, il est plus joli comme ça. C'est simplement parce que comme je suis en W, on a simplement mis du double face d'ailleurs. Parce que vous le voyez, hein, ici, ça n'est... On a mis du double face et la plaque, elle s'est cassée la gueule. Mais ce qui m'était déjà arrivé sur d'autres caisses. Hein. Ça, moi, je suis le spécialiste. Les petits rétros, le détail comme ça qui fait plaisir. Et le coffre, je vous montre ça quand même. Hop. Bon, ça, c'est mes affaires à la con. De ma deuxième chaîne, mon petit secret. Le lien est dans la description. Et voilà, donc là, le coffre. Techniquement on s'en cogne, vous me connaissez, je pars pas trop en voyage ni quoi, mais bon voilà. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer avec le flash la couleur qui est là, parce que vous allez le voir, c'est pas mal du tout. Regardez la couleur comment elle est folle. C'est une espèce de gris pailleté or violet machin. Et à la lumière du jour, la couleur, elle est vachement belle. C'est ce qui m'a vraiment fait craquer, tu vois. Parce que là, pour le coup, la configuration comme ça, elle est élégante, elle est sobre, mais elle est sportive à la fois, tu vois. C'est ce que j'ai bien aimé. Voilà, ça c'est au niveau de la petite teinte folle de couleur. Je vais maintenant démarrer et vous faire l'essai routier et on est parti. Donc on va faire la mise en route, les amis. Donc ici, très simple. Putain, regardez. Regardez, mais ça, c'est à force d'avoir des chiens. Ils me dégueulassent tout le temps. Donc là, vous avez tout. Donc ça se passe comme ça. Il y a évidemment le CarPlay hein, sur la bagnole. Donc là, vous avez eu le truc de maintenance qui s'est affiché. Voilà. Tout est à sa place. L'intérieur BM n'a absolument pas été dénaturé. C'est vrai qu'on est sur les nouvelles générations. Mais moi, ça me choque pas. Ça me choque pas. Le seul truc qui m'embête... avec cette caisse, c'est cette espèce de compteur qui, pour le paramétrer, il faut avoir fait Matsup Matsp, et évidemment, ce qui n'est pas mon cas, hein, parce que, bah, vous le savez, je n'ai que trois mots de vocabulaire, frérot, c'est brou, et c'est quand même beau, voilà. Donc, au moins, ça en fait trois comparé à GMK, aberrant, miteux et frérot. Au moins, on se maintient tous les deux. Ça, ça fait plaisir. Voilà, et donc, du coup, on est parti pour l'essai. Donc, il y a évidemment, comme je vous l'ai dit, la famille, un petit rodage à faire qui va être exécuté très rapidement parce que là, j'ai rentré des petits rendez-vous à droite à gauche semaine prochaine et je vais me balader partout. Donc, je vais exclusivement prendre cette voiture histoire de terminer le rodage vite fait, bien fait, la déposer chez BM et ensuite qu'ils me fassent la petite révision. Comme ça, je pourrai moi-même après me faire plaisir et faire des petites vidéos sympas. En parlant de rodage, ne vous en faites pas, semaine prochaine, le rodage de la Dodge Challenger étant terminé, bah, je vous tournerai la vidéo. Putain, casse-toi. Et je vous tournerai la vidéo et je vous montrerai ça. Et vous allez voir, c'est incroyable comme voiture. Et voilà. Donc une fois que vous avez toutes les vitres fermées, il n'y a vraiment plus aucun bruit. Vous entendez un petit bruit quand même, hein, faut pas non plus charrier. Mais on n'est pas du tout sur mes anciennes M4, surtout mon ancienne M4 CS ou mon M3 F80 qui avait des lignes full acra ou M Performance qui hurlait à la mort. Je pense que je vais me poser certaines questions, à savoir quelle marque d'échappement je vais mettre sur cette caisse.
Moi, je suis un fanat d'Accra. On verra si je change ou si je prends autre chose ou peut-être Eisenman, évidemment, pour perpétuer la tradition. Mais voilà. En tout cas, quand vous appuyez, là, ça ouvre les valves. Et franchement, il n'y a pas grand-chose, quoi. Donc là, quand vous appuyez sur le bouton M1, directement, on se retrouve en sport, donc aux palettes. Putain, il me colle, lui. Vas-y, arrête de me coller, frérot. Ils aiment trop coller, les gens, frère. Et pourtant, le bruit, bah, ça reste un aspirateur. Il n'y a presque aucun bruit. Enfin, aucun bruit, vous avez compris, hein, je ne veux pas m'attirer vos foudres. Putain, le petit busset, insolite. Il y a du bruit, mais c'est pas du tout... Pour moi, franchement, une BM, ça doit être en travers avec un son de dingue et un pop and bang de dingue. Là, évidemment, pour le coup, bah, il y a le FAP, il y a le Kata, il y a tout ce que vous voulez. Elle est neuve, elle est d'origine. Donc, c'est pas aujourd'hui que je vous ferai une conduite de dingue avec un son de dingue. Mais bon, le principal étant là, la petite balade, l'essai routier dans Paris. Donc là, du coup, moi, je me dis que je ferais mieux d'aller acheter mon petit sandwich fou et ensuite d'aller me diriger vers la maison parce que je tourne quand même sans la plaque à l'avant. Alors, je suis évidemment en règle, hein, comme d'habitude, hein, ça, j'ai plus rien à prouver, MDR. Non, mais attends, il m'a fatigué ce truc-là. Mais le problème, c'est que bah, j'ai pas forcément envie, déjà que je suis en W garage, j'ai pas envie de forcer le truc en mode « ouais, c'est moi, arrêtez-moi », quoi. Tu vois, j'ai pas envie de ça. Parce que W garage sans plaque à l'avant, c'est un peu trop aberrant, comme dirait le frangin. Voilà. Donc là, du coup, il y a les petits rangements. Là, j'ai mis mon petit câble fou. Rien de spé. Piano black. Ici, vous avez la petit rangement. La boîte à gants là-bas. Et l'intérieur se marie très bien. Mais c'est vrai que ça serait plus joli en carbone. Ça, c'est clair. Est-ce qu'à un moment donné, j'y viendrai? Peut-être, je pense. Ça, c'est une caisse que j'aime bien. Je me sens bien dedans. Le fait qu'elle soit neuve, c'est aussi moi... Tu vois qu'il est entre guillemets presque roulé pour la première fois parce que je l'ai reçu. Elle avait exactement 98 km. Et vous savez, quand des voitures ont moins de 500 km à la vente, ce sont des voitures vendues comme neuves. Et ce qui a été évidemment le cas pour celle-ci. Mais après, c'est vrai que il faut toujours faire le rodage, il faut toujours attendre, il faut toujours si ça. Mais le fait d'avoir une voiture neuve, la famille, bah, c'est vraiment un kiff. J'ai rien contre les occasions. Ma Mégane RS est une voiture d'occasion. Mais je pensais que prendre une Mégane RS avec un budget de 60 000 pour prendre une Trophy R, c'était pas non plus ce que je recherchais. Moi, j'avais envie d'une Mégane RS toute simple. Voilà, elle nous a coûté dans les 40 000. C'est très bien. Et ça fait le taf, même si elle n'est pas toute neuve, quoi. Mais là, le fait d'avoir celle-ci neuve, le Traco qui est la Challenger en neuf aussi, bah, c'est le ressenti est différent. Mais j'ai vraiment aucune préférence. Je m'en fiche. Si celle-là avait 15-20 000 km, bah, je m'en ficherais. Tu vois, genre, je serais pas là. Ah non, elle est pas neuve. Je m'en ficherais complètement. Tu vois, là, je suis vraiment satisfait. C'est oui, certes, c'est un plus qu'elle soit neuve. Mais à part ça, franchement, bah, y a rien qui change pour moi. Je m'en fiche, en fait. J'ai déjà eu des voitures bornées. Rappelez-vous, les 120 000, 130 000 km. Surtout quand c'est des voitures qui sont importées d'Allemagne. Bah, les Allemands roulent beaucoup. Ils ont des grandes autoroutes. Ils sont tout le temps dessus. Et donc, du coup, bah, les caisses arrivent bornées, quoi. Voilà. Alors, au niveau du ressenti, franchement, là, de la façon dont je l'ai paramétré, c'est-à-dire en confort et tout ça, machin, c'est un petit canapé roulant. Ça va. Tu vois, c'est pas du tout tape-cul. La seule chose que je pourrais reprocher, c'est le freinage, le ressenti au freinage, en fait. Le ressenti à la pédale, il est plus. Alors, il est précis, mais il est moins naturel que ce qu'on avait sur des voitures de 2018 et compagnie. Tu vois, là, c'est vraiment un ressenti qui est beaucoup plus étrange que ce à quoi on est habitué. Tu vois, et ça, c'est une toute petite prise en main. C'est-à-dire que les Américaines. Par exemple, c'est des voitures qui vont freiner, mais qui vont freiner genre en mode bah ça va être lourd au freinage et ça va mettre du temps. Alors que celle-ci, elle est légère, donc tu sens la légèreté, elle freine tout de suite, mais le ressenti il est pas super agréable. C'est-à-dire que parfois, là ça fait depuis hier que je l'ai la voiture, bah tu vas un petit peu piler au début au feu rouge, tu vois, genre tu vas t'arrêter net, tu vois. Alors que ça devrait être plus doux. Mais ça après c'est juste un coup à prendre hein, de toutes les manières. À part ça, sinon, bah, évidemment, j'ai pas encore pu tirer dedans.
Ça, je ferai pas une vidéo. Il est plus intéressant, soyons sérieux, pour moi, de faire une vidéo où je bombarde avec la Challenger parce que c'est 800 bourrins et on va rigoler, plutôt que vous refaire une vidéo entière. La famille, j'ai fini le rodage et aller bombarder un peu avec la M4, quoi. C'est pas moi, moi personnellement, j'y vois pas trop l'intérêt, à part si je modifie la voiture. Là, dans ce cas-là, oui. Je vous ferai une vidéo complète en disant j'ai fait ci, ça, 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 on a modifié ça, on a modifié ci. Là, ça sera plus logique pour moi. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous faire cette petite vidéo. Je voulais évidemment remercier Riyad et Arbo Automobile. Il faut leur donner de la force parce que maintenant, vous savez, ils travaillent ensemble. Les deux s'entraident et Dominique, c'est vraiment quelqu'un de bien. On fera une vidéo un jour où je vous le présenterai vraiment. Riyad, c'est la famille. Il faut lui donner un maximum de force. Je suis fier que le gars puisse rentrer des M4 à 120 000 balles, des Porsche 992, en veux-tu, en voilà. Je suis fier de lui. Et je suis fier de vous, la famille. Parce que en vrai, on sait au fond de nous que si on n'avait pas cette communauté, personne n'aurait cartonné comme ça. Ça, c'est évident. Voilà, la famille. Sur ce, je vous embrasse. Je vais m'acheter mon petit sandwich et rentrer à la maison. Parce que là, les petites plaques folles à l'avant, je pense que c'est un appel au contrôle. Je vous embrasse fort, la famille. Prenez soin de vous et je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut!